Yo Idéaliste, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui vidéo un peu chill, j'avoue que ça nécessite pas beaucoup de travail de réaliser cette vidéo là. Mais en vrai j'avais trop envie, vous l'avez sûrement vu passer sur les groupes Facebook etc. Les magasins Action, donc magasins qui sont assez représentés en France, vendent des petites figurines Yu-Gi-Oh! Qui se présentent un petit peu comme ça. Voilà, il y a un petit sachet et puis il y a plusieurs modèles à l'intérieur. Et au début je me suis dit, en vrai ça a l'air d'être tout petit, j'ai pas forcément, même si c'est pas cher du tout, c'est genre 1€ la figurine, j'ai pas du tout envie de mettre mon argent là-dedans, etc. Et en fait je me suis dit, en vrai, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer de toutes les récupérer pour en faire une sorte de petit tableau par la suite, un peu en époxy, etc. Donc je me suis laissé tenter et j'ai acheté tout le rayon. Alors en vrai, pour me dédouaner, parce que j'étais pas très à l'aise de boyotte, etc. Je leur ai dit, voilà, j'achète tout, mais il y a sûrement peut-être d'autres personnes qui seront intéressées. Du coup, ils m'ont dit, en tout cas, le magasin où j'ai acheté, ils m'ont dit qu'ils allaient en commander d'autres pour en avoir à nouveau en stock. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Honnêtement, elle est très simple. On va aller chercher les figurines, on va essayer de voir un petit peu tout ce qu'il y a de disponible. Et voilà, petit vidéo chill, petite vidéo détente, pas de prise de tête ou quoi que ce soit. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement. Dites-moi si vous en avez acheté également dans les commentaires, ou si je vous l'ai fait découvrir, et c'est parti pour le déballage de tout ça. Ok, donc on se retrouve sur le second plan. Comme vous le voyez, les figurines sont pas très grandes. J'en ai déjà ouvert quelques-unes par curiosité. Donc j'ai eu magicien et un Yugi Fosfo. On va s'en ouvrir pas mal parce que il y en a vraiment pas mal de dispo. Putain, j'en ai fait tomber, c'était débile de faire ça comme ça. Je crois que j'en ai acheté une quarantaine. Voilà, j'ai tout rangé parce que c'était bien trop le bordel sinon. Donc on va s'ouvrir des petits packs. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on a un petit truc qu'on va pouvoir venir cocher au fur et à mesure pour savoir lesquels on a ou pas. Et la figurine, et là en l'occurrence on a un dragon noir aux yeux rouges un peu toon qui a un bon petit flow. Je pense que je vais pas forcément les sortir des sachets etc, parce que ça va faire beaucoup de, ça va être beaucoup de plastique sinon. Mais on va essayer de se les mettre et puis je vais venir cocher au fur et à mesure. Donc là du coup on a le Red Eyes Silver qui est juste ici. On a le magicien des ténèbres normal qui est là, enfin Silver aussi. La Dark Magician Girl Silver et le Yugi Fosfo. Ok, on enchaîne. Moi, en vrai je vais le laisser ouvert parce que je pense que je vais venir cocher un peu à chaque truc, histoire que vous ayez un petit peu une évolution de tout ça. Bon, j'avoue que le petit bout de plastique à chaque fois il est un peu relou. Là on a Joey, en vrai il y a un petit flow South Park. Donc Joey en gold du coup, tac. J'aimerais bien avoir ceux en couleur moi, parce que j'avoue que je les ai pas encore vus. Ah, premier doublon, alors c'était bien lui qu'on avait eu tout à l'heure, hein. Ouais, c'était complètement lui. Donc premier doublon, le petit Red Eyes. Je vais essayer de me les mettre à un autre endroit, comme ça je pourrais vous les montrer après. Hop, on a un Yugi Silver. En vrai il a un bon petit flow hein, Silver, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il a un bon petit flow. Tac. On a... Oh, il est incroyablement stylé. On a un Blue Eyes. Il est très beau. Alors, en vrai, alors c'est ridicule parce que je m'enjaille de ouf devant des mini-figurines qui sont un peu moches. Mais je les trouve très stylés quand même. Ah, deuxième doublon. On a un deuxième Yugi Silver. Le truc qui était assez fun, c'est que... Je sais pas si vous le voyez juste ici. Mais en gros, le truc, il date de 2020. Donc, je suppose que c'est des trucs qui sont sortis... période Covid ou j'en sais quoi, j'ai eu un peu peur que ça soit des merdouilles qui traînaient des stocks de il y a X années, et en fait c'est pas le cas du tout. Là on a un petit Kaiba Silver. Dis donc, les Silver ils tombent beaucoup, j'ai l'impression que c'est ceux qui sont en couleur qui tombent pas beaucoup, et les Gold aussi parce qu'on n'a pas eu beaucoup de Gold. On a deux Kaiba, ah non, un magicien qu'on avait déjà. Ok, magicien que j'avais ouvert moi en off pour le kiff, pour voir ce qu'il en était quoi. On a un Yugi Gold. En vrai, le Yugi Silver était plus stylé que le Yugi Gold. J'en ai acheté une petite quarantaine, 40, 45, un truc du genre. Et j'en ai ouvert quelques-uns. Oh, le... Oh, en vrai, il y a une vraie ref à South Park, c'est obligé. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Vraiment, on dirait des personnages de South Park, hein. Et en même temps, des personnages un peu toon, tu vois. On a un Joey Gold ou Kaiba Gold. C'est quoi ça? C'est Joey Gold ou Kaiba Gold? C'est Joey, hein. Ouais, c'est Joey. Comment je peux vérifier? J'ai eu un Kaiba à un moment ou pas? J'ai eu un Kaiba. Ah mais attendez, tout à l'heure j'ai coché Kaiba, mais c'était Kaiba ça? En vrai on n'est pas sûr hein, que ce soit Kaiba. Attendez, ça c'est Kaiba Gold. Ça c'est Kaiba Gold. Parce que je sais pas si vous voyez, en gros lui il a pas de petit truc qui revient là. Donc attendez, Kaiba Gold c'est bon. Kaiba Silver. C'est bon.
Et tout à l'heure, c'était pas du tout Joey Silver. Ah si, c'était vraiment Joey Gold qu'on a eu. Complètement, complètement. Bon, normalement, je me suis pas planté. Pire, je ferai un récap après. Ça nous permettra de voir où est-ce qu'on en est. Oh, la Dark Magician Girl en couleur. Et elle a un petit flow. Elle est pas mal en vrai. Elle est pas mal du tout. Hop. On a une Dark Magician Girl en gold qu'on avait déjà. Et en vrai, les phosphos, pour l'instant, on en a eu un seul et je l'ai ouvert en off. Genre, ça n'a pas l'air d'être les plus simples à faire sortir. Je me rends pas compte desquels vont être les plus durs. Là, on a Yugi en gold qu'on a déjà. Mais j'aimerais bien, ouais, essayer de faire le full set, toutes les avoir. On a... Oh, Exodia! C'est le premier Exodia qu'on a. Merde, le focus. Exodia. Bon petit flow, le bébé Exodia. J'aimerais bien toutes les avoir. Pour le kiff de toutes les avoir. Et puis, pour en faire un tableau, je me dis, un tableau transparent avec des LED et tout, ça pourrait être incroyablement stylé. Bon, on a un petit Blue Eyes en phospho. C'est notre deuxième phospho, du coup. Qui est plutôt cool. Et Blue Eyes... En vrai, pour l'instant, il n'y a que Exodia qu'on a eu qu'une seule fois. Et Red Eyes, on a eu une seule fois. En fait, Red Eyes, on en a eu deux. Mais on les a eu deux fois dans la même rareté. Là, on a un Red Eyes Gold qu'on n'avait pas encore eu. Et en vrai, il nous manque un Dark Magician Gold et... un Blue Eyes Gold et on aura tous les golds. Ce qui est pas mal puisqu'on a ouvert une bonne partie. Oh, Dark Magician. Une petite Dark Magician. En vrai, j'étais pas trop chaud d'acheter une figurine à la base. Je me dis, ouais, c'est un peu foutre mon argent par les fenêtres et tout. C'est un peu la réalité, hein, on va pas se mentir. Mais plus je les ouvre, plus je les trouve très cool. On a Exodia en gold. On se rapproche en silver par contre. On se rapproche, les silver et les gold, ça a l'air d'être vraiment les plus simples à avoir finalement. On a un Blue Eyes Silver. Et bien on est à deux de chaque pour les silver et les gold, pour toutes les avoir. Donc plutôt cool, il y a un côté un peu satisfaisant. Et on a un Blue Eyes Gold. Attendez, on a grave bien avancé dans les gold. Là il nous en manque un seul. Par contre dans les phosphos, ils ont l'air compliqués à avoir, les phosphos. Et Dark Magician Gold, on a fini tous les gold. Oh, let's go, on a fini tous les gold, ça je suis trop content. J'aimerais bien faire les silver. Et puis les couleurs, en vrai, je les trouve très cool. Mais j'ai l'impression qu'ils tombent pas beaucoup non plus. On a un phospho. Et c'est... Putain, c'est trop dur de savoir qui est qui. Je crois que c'est Joey. Ah, attendez, faut que je compare. Ouais, c'est Joey, il y a la mèche sur le côté. Donc, Joey phospho. Tac. Je me rends pas compte de combien il m'en reste. Je sais que j'en ai l'impression d'en avoir ouvert énormément. Un petit Blue Eyes Silver, hop, attendez, pardon, faut que je le mette là-bas parce que on l'a déjà. Il nous manque que de Joey et Dark Magician Girl en silver. Enfin, vous les voyez comme moi. Hein. On a Kaiba en phospho. En fait, je sais pas s'il y en a qui sont plus durs ou pas que d'autres à avoir. Parce que là, j'ai l'impression qu'on ait fait une remontada des phospho, tu vois. On a un Joey en silver. C'était le dernier silver. Ah non, c'est pas le dernier silver. Mais il nous le manquait quand même. Et c'est sûr que c'est lui parce qu'il a la petite mèche sur le côté. Du coup, il nous manque Dark Magician Girl en silver. Et on aura terminé. On a Exodia en phospho. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus. Il y a qu'un qui soit plus dur que d'autres à avoir. J'ai juste l'impression que bah, quand on en ouvre pas mal à la suite, forcément, t'en as qui sont différents. Et là, on a Dark Magician qu'on avait déjà. On se rapproche un peu de la fin. J'en aurais ouvert beaucoup hein, dans cette vidéo, mine de rien. On a le Blue Eyes Gold qu'on avait déjà. Je crois que j'ai eu que des golds, de silver et de... Oh! Oh! Attendez, il est trop stylé, le Red Eyes. Je suis content de l'avoir. Exodia en couleur, j'aimerais bien le voir. Il a l'air d'être très cool, en vrai. On a Dark Magician Girl. Ah, bah c'est la dernière. Ok, donc on a fini les silver et les gold. Donc là, il nous manque les phosphos et les couleurs. Il nous en manque exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 5, parce qu'on vient d'avoir Kaiba. Il nous en manque 5. En vrai, si j'arrivais à faire le full set que avec ce que j'ai acheté, ça serait incroyable. Ça serait vraiment une dinguerie. Merde, j'arrive pas à l'ouvrir. Hop. Oh, attendez, je viens de le voir. Oh, je viens de le voir. Ultra stylé. Le petit Exodia. En fait, non, ils l'ont défoncé, frère. Oh, la gueule de merde qu'il a. Merde, je m'attendais à une dinguerie. Et en fait, pas du tout. Oh, je suis deg. On a du phospho Dark Magician Girl. Et on se rapproche de ouf. Hein. Tain, si ça se trouve, je vais réussir à faire le full set. Ça serait trop cool.
On a du gold. Le gold, on sait que c'est forcément du doublon. Il m'en reste 5 à ouvrir. Il m'en manque 1, 2, 3. Il m'en manque 3. Est-ce que c'est possible, messieurs, dames? Oh oui! Oh, il m'en manque plus que 2. Attendez, il me manque juste... il me reste 4 sachets. Il me manque Red Eyes et Dark Magician. Et on aurait fait le full set en une seule ouverture, ce qui paraît assez peu probable en vrai. Mais on l'aurait fait et ça serait vraiment incroyable. Là, c'est du silver, donc c'est forcément du doublon. Là, maintenant, on veut que de la couleur ou du phospho. Mais en une seule ouverture, en vrai, c'est dingue. C'est du gold, donc c'est forcément du doublon. Ça veut dire qu'on ferait un perfect sur les deux derniers. Ça serait, c'est vraiment très peu probable. C'est du silver, donc c'est non. On n'aura pas tout, mais on aura quasiment tout. Et franchement, il m'en manque que 2. Je suis trop content, je pensais me taper énormément. Ouais, c'est du doublon aussi. Je pensais me taper énormément de doublons. Et en fait, pas du tout. Et là, en l'occurrence, on a eu... Alors, je peux vous les repasser. Maintenant, ça va être un peu difficile pour vous de vous les positionner. Mais on aura eu des dingueries. Genre, franchement, ceux en couleur sont très beaux. Celui-là, il est cool. Le petit Yugi, en vrai, il est cool. Et j'avais beaucoup aimé le Yugi. Je sais pas si je vais le retrouver en silver. Ouais, là. Je trouve qu'il a un bon petit flow, mine de rien. Le Dark Magician... assez cool, pas forcément une dinguerie, mais assez cool. Le Exodia, ils l'ont défoncé, vraiment. Et voilà, bah écoutez, je suis trop content d'avoir eu tout ça. Ça me fait... Alors, je vais mettre ça de côté, hop, pour pouvoir vous montrer ça. Ça nous fait... J'ai pas compté du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 doubles. Ça nous fait 13 doubles. Et là, on a un Dark Magician qui se fait la malle. Que des gold et silver. Donc, ça veut dire que c'est vraiment les plus simples à avoir. Et on va dire que les plus compliqués, du coup, sont les phospho. Puisque c'est le seul qu'on n'a pas réussi à avoir en full set. Je sais pas combien il y a de sachets. Peut-être que certains parmi vous l'ont compté. Je crois que j'en ai acheté 40, quelque chose comme ça. Mais trop content d'avoir pu avoir quasiment tout. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Franchement, c'est fou de quasiment tout avoir. Genre vraiment, on a quasiment tout coché. Je m'attendais à avoir plein de doublons, etc. C'était le cas, mais pas tant que ça. Je pense qu'on attendait vraiment à en avoir beaucoup plus en mode ah, c'est du Duel Monster, vas-y, ils vont mettre Dark Magician et Yugi en masse. Pas vraiment, finalement. Plutôt cool, j'ai passé un bon moment, j'ai juste ouvert des figurines moches et je compte en faire un projet derrière, mais ça m'a fait kiffer, voilà, tout simplement, et j'espère que ben, vous l'avez ressenti et que vous avez passé également un bon moment. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, le pouce, l'abonnement, il m'en manque 2, si vous les avez, faites-moi signe, il me les faut absolument. Sur ce, prenez soin de vous, fans de vos duels et collection de cartes, surtout bientôt les potes. Allez, ciao!